ouvrage Saint-Jean de Crèvecœur, les lettres d'un fermier américain, sont consacrés à ce personnage qui est vraiment étonnant. Parce que Saint-Jean de Crèvecœur est considéré aux États-Unis le fondateur de la littérature états-unienne. Les Letters from an American Farmer, publiés en 1782, sont considérés aux États-Unis, c'est le premier texte qui n'est pas un pur texte documentaire, qui est déjà un texte de fiction, qui est déjà un texte littéraire. Donc, et pour eux, c'est le début de leur littérature. Mais Saint-Jean de Crèvecœur est français. Il est né en Normandie. Il s'est retrouvé en Amérique comment? Et c'est là que ça nous concerne directement. Il s'est retrouvé en Amérique parce qu'il était soldat au moment de la guerre de 7 ans. Pauvre Saint-Jean de Crèvecœur, pauvre gars. C'est un gars sympathique parce que c'est foncièrement un gentil bonhomme, ça a l'air foncièrement un gentil bonhomme qui se retrouve toujours confronté à l'histoire. Il veut pas être confronté à l'histoire, mais par hasard, il se retrouve tout au long de sa vie au premier rang de l'histoire. Au moment de la conquête, il est le 13 septembre 59 à Québec. Pendant la Révolution américaine, il est dans le terrain neutre, le pire endroit où on pouvait être. Quand il revient en France, en pleine terreur robespierriste, etc. Donc, c'est le gars qui a la manie de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, alors qu'il ne voulait pas ça. C'est un gars que maintenant, on le regarde, il a vécu une vie d'aventurier, mais il n'a jamais voulu vivre ça. Et ça, c'est peut-être ce qui le rend très représentatif de la population qui tentait l'aventure en Amérique. Une partie de ces gens-là étaient vraiment des aventuriers qui cherchaient fortune, gloire, etc. Mais je dirais, la plupart des gens qui ont colonisé tout ce continent, c'est des gens qui partaient, pourquoi? Parce qu'ils étaient plus ou moins forcés de le faire pour quelque raison que ce soit, et qui se sont retrouvés à vivre des aventures complètement folles. Aux États-Unis, il y a eu évidemment énormément de travaux sur Saint-Jean de Crèvecœur. C'est la fondatrice de leur littérature. En France aussi, il y a eu un certain nombre de travaux parce que c'était un personnage important de la fin du 18e siècle. Et moi, quand j'ai commencé à me pencher sur ce personnage-là, je dis oui, mais on ne s'est jamais penché spécifiquement sur son séjour québécois en Nouvelle-France et on ne s'est jamais penché sur les éventuelles ressources archivistiques qu'on a au Québec pour expliquer ce passage particulier de son existence, mais éventuellement, bon, des répercussions que ça a sur la suite. On dit qu'on n'a pas d'auteur du 18e siècle au Québec, on va lire Diderot, on va lire Voltaire, on va lire Rousseau. C'est dans cet esprit-là, c'est de dire, bien, par exemple, il y a un gars comme Saint-Jean de Crèvecœur, qui lui nous parle, qui est tout à fait un homme du 18e siècle, mais qui au moins parle de réalités qui nous concernent. Mais nous, quand on le regarde nous regarder, on apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes et sur les États-Unis en même temps. Donc, je pense que c'est l'intérêt d'explorer ces auteurs qui sont venus au Québec et qui ont laissé des traces de leur passage.